Les travaux, ils ont commencé en 2004. La mairie nous a mis à disposition le chapiteau. On a utilisé de 2004 jusqu'à le 19 juin 2010, l'année dernière, où il y avait l'inauguration. Et donc le culturel devient cultuel et le cultuel devient culturel. Et ça... Donc on essaiera de faire la part des choses et on expliquera quand c'est culturel, on dira que c'est culturel. Et quand c'est cultuel, on dira que c'est cultuel. Même à 19h. Alors juste, normalement, avant de... Un fidèle, quand on va venir à la mosquée, avant de faire la prière, il doit avoir ses ablutions. Alors il y a deux cas de figure. Je peux faire mes ablutions chez moi avant de venir, ou les faire sur place. Alors c'est pour ça qu'on va faire la visite par le lieu d'ablution. Et on va vous expliquer les ablutions c'est quoi, et après on rentrera directement à la mosquée. Alors c'est par là que ça se passe.
ça reste 100% naturel. D'accord. Et voilà. Et là, vous dites que ça a attendu 2 ans pour les bafiers, les personnes, parce que c'est le roi du Maroc qui l'a financé, cette mosquée. Pas totalement. Pas totalement, en fait, parce qu'il y a une partie de la population stéphanoise et française, parce que ça, et les récoltes de l'argent ne sont pas arrêtées à la ville de Saint-Étienne, ils sont partis à Marseille, à Paris, un petit peu dans toute la France. Une fois que les travaux, les grandes œuvres, ils ont été finis, le recteur de la grande mosquée, M. Marchiche, l'Arabie Marchiche, pendant le ramadan de l'année 2004, il a rencontré le roi, lui a proposé une piételle. Mais non, c'est son propre argent. Le chèque avait son nom. Ça casse. Voilà. Ah oui. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est son propre argent. Oui. C'est un don. On va dire la personne. C'est la forme. La forme et la personne qui procède. C'est ça. C'est là. En fait, c'est ainsi de suite. C'est que chaque personne. Ah oui. Il va l'autre. Voilà. Et chacun. Il est tellement qui par contre. Pour arriver à la capacité de faire ça. C'est des entreprises françaises. Il passe par la personne qui taille ça. Parce que la personne qui taille ça, c'est pas elle qui. Mais avec certaines années d'expérience, il reconnaît les pièces. Et Michel, même ils inventent en fait des motifs. Là, c'est facile. Si on voit là, vers le terrorisme et l'imam. Je suis surpris par cette mosquée, parce que bon, c'est la première fois que je visite une mosquée. Et c'est quelque chose de très beau, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est incroyable qu'il y ait encore des artisans à l'heure actuelle, en 2012-2013, qui travaillent comme ça. Je suis surpris parce qu'il me semble que j'avais lu quelque part qu'une mosquée, normalement, c'était très épuré, que c'était pas très décoré, parce que il me semblait que c'était pour les richesses, pas de clin d'œil aux richesses. Voilà, donc c'est peut-être dans l'histoire, par période de l'histoire, je ne sais pas. Mais je vais poser la question. Merci. C'est bon ? Et côté culturel. Donc il n'y a pas de symbolique religieuse dans la chaîne. C'est surtout le côté pratique. C'est-à-dire que j'ai collègue de dire, parfois on a une moyenne de 2000 fidèles par semaine pour la prière du vendredi. Donc du coup, si par exemple je fais, en tant qu'imam, je fais mon prêche, je suis comme ça, je ne vois pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui va pouvoir me voir. Et même au niveau du discours, quand je fais un discours, je n'ai pas assez d'autorité, je ne peux pas assez être... Donc il arrive, vendredi, j'arrive, la prière commence à 14h. Donc il arrive, ils m'ont dit que Jésus était prophète, n'est pas musulman. Il est tout en forme. Voilà, donc du coup, toute la descendance, c'est-à-dire tous les prophètes, Joseph, Jonas, David et tous les prophètes, en tant que musulman, je suis dans l'obligation, au niveau de la foi, de les reconnaître en tant que prophète. Quand je ne les reconnais pas, je ne suis pas musulman, automatiquement. Ça fait partie des piliers de la foi. Donc, il faut une certaine matière. Cette mosquée est magnifique. C'est la première fois que je viens dans cette mosquée. Et c'est vraiment un lieu de recueillement et de prière. Voilà. C'est pour ça que ça a été fabriqué. Vous voyez, donc on essaie un petit peu de faire plaisir à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre ce que l'imam va dire. Et le prêche, il se partage, il se divise en 2 petits discours. Donc tu fais un petit prêche de 10 minutes, un quart d'heure. L'imam, il marque un petit peu le prêche par un petit arrêt, 5-6 secondes, il se relève, il fait le deuxième discours, qui dure 10 minutes à peu près, même pas, et après il descend. Thank you.
l'expression, la qualité du travail et le caractère artistique de tout ce monument qui est magnifique, qu'il s'agisse des gravures sur les bois de cèdre, soit sur les céramiques. Vraiment, c'est un... C'est un bâtiment magnifique qui a été réalisé avec une foi extraordinaire, car nous pensons que la religion musulmane est aussi respectable que toute autre religion. Il faut accepter et il faut l'honorer au même titre que les autres religions. La seule recommandation, ça c'est authentifié, c'est que les hommes sont devant et les femmes sont derrière. Ça c'est certifié. Voilà, c'est le dogme. Mais la séparation physique, elle est culturelle. Par contre, là, vous voyez, je pense... Je suis agréablement surpris de cette visite et parallèlement j'ai beaucoup appris sur la religion musulmane, au moins dans son déroulement, dans ses prières. Et je pense que c'est très bénéfique à de nombreuses personnes de s'instruire et de connaître tout ça.